Bonjour, bonsoir. J'ai reçu une nouvelle montre de Gearbest. Donc c'est une smartwatch, c'est écrit en gros dessus. Donc j'ai déjà ouvert. Hein. Donc voilà, elle se présente comme ça. Sur un petit présentoir. Dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la montre évidemment. Une petite notice. D'un côté c'est anglais, de l'autre côté c'est en chinois et un câble USB spécifique pour la recharger. Bonsoir, suite déballage. Donc on fait un tour rapide. Donc le composeur, c'est pour appeler des numéros. Si vous ne connaissez pas le numéro, la messagerie, c'est boîte de réception, les brouillons, écrire un message. Donc, on peut écrire un message. Donc de mémoire, c'est en un T9. Donc on pourrait faire mieux. L'annuaire, bah, je vous passe. C'est l'annuaire que j'ai synchronisé avec ma montre. Le journal d'appel, je ne l'ai pas synchronisé, donc ça ne fonctionnera pas. Les options Bluetooth pour toutes. Pour synchroniser la montre. Les notifications. Ici, c'est pour télécharger les applications. Vous scannez le code et ça vous donne accès aux applications. Là, c'est pour les réglages du téléphone, la langue, etc. Là, on peut changer la forme de l'affichage. Voilà. Hop, on va revenir dans l'autre méthode parce que c'est complètement plus lisible. On y revient. Un lecteur vidéo, un visualisateur d'images, la gestion des mouvements, un lecteur audio. Alors, ça permet de récupérer la musique du téléphone sur la montre. Ça permet de capturer. Tiens, il me dit que la musique n'est pas désactivée. Non. Là, c'est pour faire une capture d'image. Okay. Bon, j'ai pas installé la bonne application sur le téléphone. Un enregistreur. On peut s'enregistrer des petits messages, des petits mémos. On a refait. On peut changer le thème, l'alarme, le calendrier, donc il se présente sous deux formes. La calculatrice simple mais efficace. Le chronomètre avec plusieurs laps. Voilà, je vais en ajouter un. Voilà, 4, 5, 6, 7. Le podomètre pour savoir combien de on marche. La journée, le battement de cœur start, donc il faut appuyer derrière. Il se passe que on a un petit capteur qui va nous donner notre battement de cœur, un moniteur de sleep, pardon, moniteur de sommeil. On rappelle qu'il faut bouger, donc il me dit que le podomètre est activé, donc il faut le désactiver. La fonction thermomètre, on appuie et on va prendre la température. Un moniteur d'UV, c'est juste pour savoir si vous devez mettre de la crème ou pas, ou vous protéger du soleil. Des profils, silencieux, réunion. Un anti-perte. L'économiseur, le gestionnaire de fichiers, donc c'est pour aller voir ce qui se passe sur votre téléphone. L'horloge, donc là c'est si vous voyagez. Le petit masseur. Et voilà, on a fait le tour. Donc on va faire juste un petit test pour appeler le téléphone. Voilà. Et on raccroche. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Donc, vous pouvez aussi visionner l'autre démonstration qui est un petit peu longue d'une autre montre. Donc après, dans les fonctions, on peut regarder voilà. Sa mission. Bonne soirée.